Останьтесь, останьтесь. Вот так нормально, да? Во. И сюда, сюда. Окей, окей. Сниму, сниму. Давай, снимай. Зелтон, вози. Иди, 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 иди. Что такое радиация? Никто не владел вообще ситуацией. Выселили первые... Personne ne savait ce que c'était que la radiation. Personne ne savait ce qu'il fallait faire. On a déplacé les gens des villages dans un périmètre de 30 km autour de Tchernobyl. Personne ne savait de ce qu'il devait faire. C'était pareil à la guerre, mais il n'y avait pas d'explosion, il n'y avait pas de meurtre. C'était un ennemi invisible que l'on n'entendait pas. 180 000 roubles. Puis il y avait ceux qui essayaient de revenir chez eux pour prendre leurs affaires, mais le contrôle d'accès était très strict et nous ne comprenions pas à quoi cela pouvait servir. La douleur psychologique était terrible. On comprenait bien la situation. Les hommes, on leur a demandé de rester chez eux et on leur a dit de boire beaucoup de vodka pour ne pas être touchés par la radiation. Les femmes étaient déplacées, elles habitaient dans des maisons autour des sanatoriums et ils donnaient la vie à leur nouveau-né. Il n'y avait personne autour d'eux pour les soutenir. C'était vraiment la mer des larmes, mais le plus terrible était encore à venir. Ici, je parle de mon expérience personnelle, parce que ma famille a été directement touchée par cette catastrophe. Ma fille est tombée grièvement malade en 87 et on ne comprenait pas ce qui se passait avec elle. C'est seulement à Moscou que l'on a su établir le diagnostic et de dire que c'était une suite à l'explosion à Tchernobyl. Et c'est là que nous avons compris que Tchernobyl, ce n'était que le début de longues années de douleurs et d'hôpitaux qui allaient commencer.